Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Alors salut, c'est Romain de la ferme de Cagnol. Je passe devant la caméra pour cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de notre nouvelle charte graphique. C'est quoi une charte graphique ? Une charte graphique est un livrable rassemblant tous les éléments visuels essentiels à votre marque, tels que votre logotype, vos polices, vos couleurs, etc. Ce document explique comment et dans quelles conditions ces éléments peuvent être utilisés et permet de communiquer en gardant une cohérence globale. Donc voilà, ça c'est un truc qui nous manquait depuis longtemps. On est très content d'avoir travaillé avec Fiona de Studio Coquelicot, qui a aussi réalisé notre nouveau logo. Personnellement, on le kiffe tellement qu'on a voulu réaliser des t-shirts pour toute l'équipe. Quand on s'est penché un peu sur le sujet, on s'est rendu compte qu'une des meilleures techniques pour le faire, surtout soi-même, c'était la sérigraphie. Alors c'est quoi la sérigraphie ? La sérigraphie est une technique d'impression directe. Elle permet de déposer l'encre directement sur le textile à travers un écran. C'est un peu la même technique que les pochoirs, vous savez, quand on découpait à travers une feuille et qu'on projetait de l'encre avec une bombe. Alors pour faire cette technique, il faut une machine. On a commencé à regarder sur internet et on a trouvé une entreprise belge qui s'appelle Mechanica qui nous a tout de suite tapé dans l'œil parce qu'ils ont une philosophie très cool autour de l'open source, de l'autonomie, de la réparabilité des machines. Et du coup, il propose un kit dans lequel il y a tous les éléments pour pouvoir faire sa première sérigraphie. Je les ai contactés et ils ont adoré notre projet et ils ont décidé de nous envoyer une machine gratuitement en échange de visibilité dans cette vidéo. Le montage se fait vraiment super bien, c'est hyper simple. Il y a un QR code à l'intérieur en fait qu'on scanne et qui nous donne accès à un PDF avec toutes les étapes de montage. Les pièces sont toutes numérotées, enfin franchement c'est très bien fait, très facile, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et nous voilà, on a mis à peu près une heure à monter cette machine. Une fois la machine montée, je vais vous expliquer les différentes étapes pour réaliser une première sérigraphie. Alors je vais passer très vite fait parce que sinon la vidéo va mettre super longtemps, mais sachez que sur la chaîne YouTube de Mechanica il y a une playlist qui regroupe toutes les étapes pour réussir votre première sérigraphie avec leur kit. Alors la première étape, c'est celle de l'induction. L'induction, c'est quoi? En fait, on vient prendre notre cadre et y appliquer une sorte d'émulsion photosensible qui va nous permettre de réaliser ce fameux pochoir par la suite. La deuxième étape, c'est celle de l'insolation. Alors c'est très simple, on imprime notre logo sur transparent, on vient le déposer sur notre cadre photosensible et on vient allumer entre 4 et 5 minutes environ pour venir figer notre logo dans le cadre. Après cette étape, en fait, il faut venir nettoyer le cadre à l'eau pour enlever l'émulsion photosensible qui n'a pas été figée par la lumière à l'endroit même où il y avait notre logo. Donc ça, il suffit d'aller dans votre douche et avec le pommeau de légèrement passer de l'eau dessus et on voit apparaître le logo. Après cette étape vient l'étape de l'impression, qui est vraiment l'étape la plus satisfaisante. On vient poser le cadre sur le t-shirt et avec de l'encre et une raclette, on passe dessus et ça nous permet de réaliser cette fameuse impression. Et donc voilà des t-shirts réalisés simplement avec le kit Mechanica. Merci à eux de nous avoir fourni ce kit gratuitement. On espère que les t-shirts vont plaire à notre équipe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. I can't take no loss. I don't even know what it costs.